et re YouTube. Nous continuons nos aventures sur Scarlet Nexus, jeu de la hype. Gros jeu de la hype. Et nous venions de combattre un petit boss fort en chocolat, n'est-ce pas? Nous sommes en bout de map. Ouais, j'ai compris. Ah. Du remède en barquette. Quoi? Ara, Seto. Sumeragi no obochama ka. Nanda kanji waru. Te. Ah, Naomi-chan. Oh, Nagi-san ni Yuito-san. Ah, Naomi ni kasane mo. Otsukare. Kyou ka. Sotchi mo Shinpei no kunnen ka? So na no. Kotoshi mo kawaii kotachi ga nyūtai shite kureta kara, ganbaranaito. うちのもみんな生きがいいぜ。いや、重ねだったな。訓練はどうだった？それなりにやれたと思います。そいつはよかった。重ねちゃん、もしかして。どうしたの、ナオミ？あ、ユイトさん。いえ、あの、怪我はありませんでしたか？え？ああ、うん。おかげさまで。さっき、ヒムカテレビで、ユイトさんの中継を見ました。初陣とは思えない活躍で、かっこよかった、です。え？ありがとう。強化招待のみんな、班長以外は解散でいいわよ。班長は、私と一緒に本部へ来てちょうだい。うちも同じだ。班長のみ本部へ行くぞ。あの、重ね。何？俺たちどこかで会ったことはあるかな。一緒に怪異と戦ったわよね。忘れたの？あ、いや、そうじゃなくて。じゃあお姉さんがいるとか。あら、mais c'est bon, tu sais parler. Naomi がいるでしょ。あなた頭でも打ったの。いや、je vais parler une fille ou quoi là? 変わってるわね、あなた。でも超能力はまあまあだったと思うわ。頑張って。Parle à ma main. あ、うん。ありがとう。ねえ、ユイトってランドール姉妹と仲良しなんだね。今ので仲良く見えたなら花火も相当変わり者だと思うけどな。そうかな。おい、ユイト、先に本部に行ってるぞ。お前はカラスに狙われてるから、外でのおしゃべりはほどほどにな。ユイト、俺もお前と一緒に本部に行くわ。ノン。Est-ce que avec ma pote?Des messages. Plus que des amis d'enfance, j'aurais pas dû te sous-estimer, Yuito. J'arrive pas à croire que tu m'aies rien dit à moi, ton meilleur ami. Hein, de quoi tu parles? Arrête, je veux parler d'Anabi. Tu m'as dit que vous étiez amis d'enfance, mais j'ai pigé, vous tournez autour, hein. Il est chiant. Mais où est-ce que tu vas pêcher ça? Tu veux bien enlever la protection? Que je puisse voir ce qui cloche dans ton cerveau? On se connaît depuis si longtemps, je l'ai toujours considéré comme une amie. Je suis sûr que c'est pareil pour un habit. Je me demande ce qu'en dira un habit. Enfin, on va en rester là pour aujourd'hui. Mais il est casse-couille. Lui, c'est le chou rouge ou le chou rouge. Voilà. C'est les deux subtilités dans sa vie. C'est deux alternatifs. Le cul ou les nibards. Quel enfer! C'est normal au Japon! Je vais vous. Yamete! Ouais, tout ça on l'a déjà lu. Ok, ben c'est con que les PNJ nous reproposent leur dialogue. Oula.
Grosse musique d'ambiance. Hein. On a une quête. On a une quête. Bon, en théorie, j'ai ramassé tous les collectibles. Hein. Oui, alors pendant la pause du stream, on se posait la question. Oui, les matériaux. Amaury était très... très frustré de ne pas savoir que faire de ces matériaux. Pousse. Ok. Oui. Non mais en fait c'est ouf parce que l'ambiance est très chill. Il y a cet aspect très posé de ces pseudo cinématiques en case manga. Je trouve ça très reposant. Mais à côté de ça, le jeu est genre ultra nerveux. Mais pas trop. Parce qu'il faut quand même être précis dans ce qu'on fait. C'est cool. Karen Travers Shoshoda. Baka, koe ga ooki. Yui to Sumeragi Jotohe. カラスどもに追い回されているらしいな。はい。やつらは季節外れのモスキートと同じだ。無力だがうるさい。逆に利用してやれ。名前が売れれば階級も上がりやすい。瀬戸の隊にいれば実力もつくだろう。せいぜい励むことだ。貴様には期待している。よかったな、ユイト。カレン連隊長は。お前が訓練生の頃から才能を見込んでくれていたらしいぞ。え、本当ですか？ああ、セプテントリオンの訓一等から期待をかけられているんだ。しっかりやれよ。カレン連隊長からの期待って、兄さん絡みじゃないよな。あの人、そんな人じゃなさそうだもんな。やばい。嬉しくて顔がにやける。それじゃすまないが渡るに会って報告を済ませてくれ。俺はちょっとカゲロウの様子を見てくる。カゲロウですか？菊池場に残ったみたいでな、少し気になるんだ。それとナギ、お前菊池場で侵入禁止区域に入ったな。始末書すぐに書いて提出しろよ。Il a fait des conneries, visiblement. Septentrion no Karen ga Yuito no koto shitteru nante. Kitai shiteiru tte honki de mikomareteru janai. Karen rentaichou no omegane ni kanau nante hontou ni sugoi yo. Demo ore shiganhei nano ni na. Yatto kita na. Machi kutabirete detaku nai no ni dete kichimatta ze. Kiroku suru kara chachatto ninmu no houkoku o shite kure.俺も早く仕事を終わらせてゲームしたいんだよ。救援信号だ、行かないと。俺も。ナギは始末書書けって言われてたでしょ。だけどユイトは行くんだろ。花火、渡るへの報告を頼む。あとナギの始末書書くの手伝ってやってくれないか。俺は水波川に行ってくる。ユイト、気をつけろよ。嵐が助けを呼ぶなんて相当だぞ。渡るがフォローしてくれるだろう。頼りにしてるよ。Ça finit pas. Non mais je testais un truc. Parce que je suis en train de me rendre compte que les emotes maintenant elles apparaissent plus. Les emotes n'apparaissent plus. Quand on en fait, on est d'accord qu'on les voit pas les emotes. Ah, on les voit plus les emotes sur l'écran. Pourquoi? Attendez, c'est un problème d'une très grande importance. Alors que pourtant, peut-être fait de la merde. Hein. Non, toujours pas. LOL, bon, c'est pas grave.
Je demanderai à Oti. Nouveau quartier de Mizuagawa a été rajouté à la carte du monde. Très bien, sauf qu'on a une quête avant. Ah. Wataru, mon jeu est en pause pour le moment, je te guiderai de A à Z, laisse-moi faire. Bon sens, si seulement je n'avais pas à faire ce rapport, non, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Bah oui, évidemment. Ça ne me dérange pas de t'aider avec ton rapport, Yuito. Va voir ce qu'il te reste en matériel médical. Oh là là, mais quel enfer! Je dois aller où là? Ah non, mais les chats qui font les cons. Je les déteste. La quête. Une quête. Vous êtes l'une des nouvelles recrues de cette année. Ne prenez pas la grosse tête avec toute l'attention que vous recevez. Prouvez-moi que vous êtes bien à votre place. Ça sera facile pour un débutant prometteur comme vous. Allez obtenir les données que je vous demande. Vous serez récompensé. Oh, vous êtes motivé, il y a des autres là-bas, alors faites ce que vous pouvez. On doit faire quoi? Ouais. Hein? J'ai pas tout compris. De grosse tête, j'adore le nom. Ouais, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Attendez, je veux voir un truc. Histoire. Progression, environnement de Kikuchiba, c'est 2 sur 2. Mais je les ai en fait. D'accord. Et c'est là que je dois aller? Je comprends pas. Il ne comprend pas. Ah mais livré. Voilà. Ah, on peut confirmer comme ça, c'est tout. Et donc, vous semblez bien vous débrouiller, mais pourquoi avoir pris ça autant au sérieux? Ce n'était pas une vraie mission. Vous êtes vraiment quelqu'un de sérieux. Désolé, je me suis montré agressif. C'est tout. Hein? C'était ça ta quête? Ouais, en gros, c'est les fameux matériaux qu'on avait ramassés. Ok, bon. Let's go. Ouais, non, mais les chats ce soir ils sont épouvantables. Mais je suis solo? Et j'ai plus que 4 potions? Alors c'est pareil, hein. L'argent, on sait pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Hey, j'augmente le son de la musique parce que juste la musique est incroyable.
Vas-y, j'augmente un peu les voix aussi. Oula, une attaque qui détruit le point faible de l'ennemi et l'élimine en un coup. La pression cérébrale, ok. Sous sa jauge de santé, l'ennemi a une jauge de pression. Faites-la diminuer et une icône apparaîtra. Appuyez alors sur L2 pour exécuter une pression cérébrale. Les enchaînements de ruée et de psychokinésie sont très utiles pour vider la jauge de pression. Toutefois, agissez vite ou l'ennemi reprendra ses esprits. Et c'est donc là que si je le tue, j'ai un bonus XP. Par ailleurs, les ennemis immobilisés dont la jauge de pression est vide ne peuvent être éliminés qu'avec une pression cérébrale. Vous obtiendrez toujours au moins un objet lorsque vous éliminez un ennemi avec une... Ok, sympa. Ah oui, mais récupère vite les salons. Oh là là. Bon, par contre, j'avoue que les effets sont peut-être un peu vénères en termes de volume. On va remettre comme avant. Donc là, en théorie, j'ai eu l'XP bonus. J'aime l'XP bonus. Oui. Ah oui, mais d'accord. Vous êtes des ennemis anecdotiques. Oh, ça suit quand même. Non. Mais je suis trop puissant. Attends, mais j'ai pas d'XP. J'ai pas d'XP. Mais je sais, mais je vais explorer, fous-moi la paix. Mais j'ai pas ma pote. Point faible, protégé par des carapaces. Certains autres ont une carapace qui protège leur point faible. Si vous tombez sur un tel ennemi, vous devrez briser sa carapace pour pouvoir toucher son point faible et le vaincre. La jauge de pression se vide fortement quand les points faibles sont attaqués. Ok. Tiens, bouffe. Et merde.
Ok. Oh, le monstre. Ah, j'aurais peut-être pu faire ça pour avoir un bonus. Je sais pas. Mais où ma pote là? Je veux développer les pouvoirs du feu. Le feu, c'est la vie. Attends. Le jus revigorant. Sûrement un jus fait à partir de, d'une machine Soda Stream. Pas du tout un placement de produit, c'est faux. C'est pas parce que je viens d'acquérir une Soda Stream que j'en parle. Hein. Non, pas du tout. Bon alors. Les méchants. もちろんです。そのために来ました。そんなに年齢も階級も大した意味はないからね。まあ、surtout、t'as 14 ans、quoi。ああ、わかった。俺にも何か手伝わせてくれ。よし、いい返事だ。ゲンマ、ユイトと殺そうつなぐぞ。了解した。ゲンマガリソン。 嵐、お前の高速移動でターゲットの後方に回り込めるか。危険手当は出るのかな。そういう話は吹雪連隊長にしてくれ。仕方ない。正面は2人に任せるよ。Mais elle est tellement stylée. まずい。カラスだ。 Les corbeaux. Gambarimasu. Oh ouais. Yare yare. Nan nan da, ano drone wa aitsura no sei de kai ni kizukareta janai ka. Shikata ga nai. Karasu no drone ni wa chūkei suru kenri ga aru. Da ga Yuito no kimochi wa yoku wakaru. Yoshi. Kimi tachi. あとで口裏を合わせてくれよ。え、マジか。マジ。あとで懲罰を食らうぞ。だから口裏を合わせろと言ったんだよ。そういえば、ユイトの超能力は念力だったね。せいぜい奴らの残骸を利用してやれ。なんなら 後から来るカラスも落としていいぞ。うん、わかった。どうなっても知らんぞ。OK. Let's go. En empruntant le pouvoir d'hypervélocité, vous pouvez vous déplacer comme si le temps était ralenti autour de vous. Oh là là. Servez-vous en contre des ennemis rapides ou pour rapidement mettre fin à un combat. Des effets sont ajoutés au fur et à mesure que votre niveau d'affinité avec Arashi augmente. Oh là là. ドローンは戻ってこない。奴の犠牲を無駄にするな。それはジェズダ本人の言うことじゃないぞ。いやいや、私はユイトのリ。取った。
クエストに答えてやっただけだよ。Je vais tester ça. Musique fait. Ah mais c'est 1,02 d'XP supplémentaire. En empruntant le pouvoir de sclérokinésie, vous renforcez tout votre corps et devenez insensible aux attaques ennemies. La durée effective peut diminuer selon le nombre d'attaques ennemies. Servez-vous de ce pouvoir quand vous n'avez aucun autre moyen d'éviter une attaque ennemie. Oh ouais. D'accord, donc c'est pour tanker. Et je l'ai utilisé pour de la merde. D'accord. Gros bourrage, voilà. Je regrette un petit peu d'avoir dépensé mes points dans le bonus d'XP. Bizarrement. しかし、カラスのドローンを撃破した件はどうする？奴らの取材活動を意図的に邪魔するのは軍規違反だが。怪異と間違えて撃退したんだ。仕方ない。ユイトも分かっているね。ああ、不可抗力だったってことだよな。ちょっと気が引けるけど。まあ気にするな。君はなかなか見込みがあるぞ。仕方ない、そういうことにしておこう。まやるべきことはやったわけだし、周防に戻ろうか。そうだな。ゲンマさん、ゲンマ。なんだ、その足引きずってるみたいだけど、もしかして怪我をしたんじゃ。おや、本当だ。まずいな。ここでまた面倒な怪異に遭遇すると危険だぞ。大丈夫だ。足を引きずるぐらいだから痛みがあるんだよな。せめて応急手当てぐらいはしないと。しかしこの辺りは危険だ。早く移動した方がいい。そうだ、この近くにうちの家族がセーラーに移動するとき緊急退避所として用意しているユニットがあるんだ。そこなら安全に治療できるんじゃないかな。そいつはいい。ユイト、案内してくれ。了解。今1データを送る。オッケー。確かに近いな。ゲンマ、ここへ着くまで我慢してくれ。別に俺は。痩せ我慢はやめたまえ。君は無理をしすぎるところがあるからね。Yes. Alors par contre, ça doit être l'enfer à up tous les potes. Parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps les équiper et alterner. C'est chaud. Plank, lieu de repos et de relaxation. Le manoir Playboy. Hey, ここがスメラギ家の避難ユニットか。一般のユニットよりも設備が豪勢だな。そうなのかな。そうだ、ここを瀬戸に教えて瀬戸隊のセーフハウスにすればいいんじゃないか。ここはいかにもアジトっていう感じで居心地がいいぞ。セーフハウスって何？本部とは別に各班が独自に持つ避難所のようなものだ。海抜群ではアジトと呼ぶ。今回みたいに負傷者が出た時に助かるんだよ。あ、そうだった。ゲンマ、傷を見せてもらえるかな。何が大丈夫だ、血まみれだったじゃないか。
ゲンマは本当に痩せ我慢ばかりするな。別にそういうつもりではない。アドレナリンが出ているからさほど痛くなかったのだ。わかったわかった。それにしてもユイト驚いたぞ。治療の手際が新人とは思えなかった。俺もともと体が弱くて、子供の頃から自分一人で薬を飲んだり怪我の手当てをするってことが多かったから。そうか、ご両親も忙しかっただろうしな。ああ、親父は知っての通りだし、お袋は俺が5歳の時に怪異に殺されて、うちにはメイドもいたんだけど、結局何でも自分でやる癖がついた気がする。うん、自分の力でやるのはいいことだ。ま、私が言うのもどうかとは思うが。そうだな、嵐はもう少し自分のことは自分でやるようにした方がいい。吹雪連隊長も心配するぞ。吹雪連隊長？嵐と何か関係があるのか？君は意外と世間のことを知らないんだな。私と吹雪は兄弟なんだよ。え？嵐が吹雪連隊長の妹？逆だ逆。海抜群を見た目で判断してどうする。私が姉で吹雪が弟だよ。嵐の潜在能力はセプテントリオンにも引けを取らないと言われている。サボり癖さえなければな。失礼だなゲンマ、私は無駄が嫌いなだけだよ。さて少しここで休ませてもらおう。どうせ周防に戻ったら書類書きだの戦果報告だのカラスの取材だのが待ち構えているからね。お邪魔します。おや、君は確か一条海抜群病院の理事長家のお嬢さんじゃないかな。あ、嵐スプリング隊員？いやいや呼び捨てでいい。というか呼び捨てにしてくれ。毎年新人はこういう反応だね。すみません。はじめまして、花火一条です。病院は本家のおじが経営しているので、うちはノータッチなんですけど。そうか、ま、病院だの製薬会社だのには関わりがない方がいいね、お互いに。花火持ってきてくれたか？うん、薬とか非常食とかいろいろ。ここのユニットの備蓄品そんなに古かったの？使用期限切れのものがいろいろあってさ、親父ももう長いことセーランに行ってないから仕方ないのかもな。あ、ゲンマに使った薬と包帯はちゃんと期限内のものだったからな。気を使わせてすまんな。ところで二人は仲がいいようだが、海抜群に入る前からの知り合いか？幼馴染なんです。一条の家とスメラギの家ならそういうこともあるだろうね。ま、せっかくここまで来てくれたんだ、ゆっくりしていきたまえ。はい。嵐がユニットの持ち主みたいだな。お救わ。あー putain, toujours plus. Qu'est-ce qu'on fait? Plan qui a été ajouté à la carte du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Des mini-jeux?Joue au flipper. Vous pouvez retourner à la planque quand vous le souhaitez. Retourner à la planque vous fera récupérer vos PV. Ok, donc c'est une bonne alternative avant qu'on débloque la perque pour les récupérer hors combat. Vous ne pourrez pas y retourner si les déplacements sont limités dans la zone où vous vous trouvez. Dans la planque, vous pourrez parler à vos coéquipiers et leur offrir des cadeaux pour renforcer vos liens. Les intervalles entre deux parties de l'histoire principale sont appelés interludes. Ils débutent toujours à la planque et vous laissent vous rendre où vous le souhaitez. Si vous voulez progresser dans l'histoire principale, examinez la table qui se trouve au centre de la pièce principale de la planque. Vous pouvez choisir vos coéquipiers de combat en dehors du personnage principal et vos coéquipiers de réserve. À partir de l'écran groupe du menu, vous pouvez paramétrer les pouvoirs d'un coéquipier dans le menu du sac. Si vous utilisez le pouvoir d'un coéquipier de combat via le sac, un bonus sera ajouté à la durée d'effet et la vitesse de récupération de la jauge de sac. Quoi ?
Ah, coéquipier de réserve. Ah, qui sera pas dans le combat dynamiquement, mais on pourra quand même invoquer ses pouvoirs. Je pense que c'est ça. Ok. J'hésite un peu. Ok, super. Y'a rien. Non mais moi je veux leur offrir des cadeaux. Attendez, on va regarder la télé d'abord. Un autre supérieur particulièrement dangereux a fait son apparition à Kikuchiba. Mais encore une fois, les gardiens écarlates sont parvenus à éliminer les monstres à temps. Donc, ce star du jour est le soldat Yuito Tsuberagi, qui a réussi à vaincre un autre supérieur lors de sa toute première mission. Un véritable exploit pour une nouvelle recrue. Ce nouveau gardien écarlate semble avoir un avenir prometteur. Ok, on va checker vite fait la boutique. Pourquoi ? Parce que ça se trouve, on a des items à acheter spécifiques. Vous pouvez désormais échanger des objets. Comment ça ? Une arme de base, ça. Ah ok, on a des lunettes. Incroyable. 3000 balles ? Ah non, non, on les a pas. Faut les acheter. Au secours. On a combien d'argent ? On a que 1800. En choisissant échanger dans une boutique, vous pouvez obtenir divers objets contre des objets de données. Certains objets peuvent être obtenus uniquement grâce à des échanges. Les objets de données s'obtiennent en éliminant des ennemis ou en trouvant des emplacements de données sur le terrain. Voilà, voilà. On a une arme mieux, hein. Oh, les grosses lunettes. Ça, c'est pour... Et ouais, on a des armes pour les potes, là. Bon, attendez, on va voir si on peut filer des cadeaux. La planque est une sorte de base secrète, c'est génial. Ça ne me pose pas de problème si j'y laisse... Ça ne pose pas de problème si j'y laisse quelques affaires. J'arrive plus à lire. Étape de relation. Yuito, yokattara chotto hanasanai? Sekkaku onaji chimu ni nattan da shi. Ça va être comme Judgment, je vais... Demo, aratamatte nani o hanasun da? Osana najimi nan da shi, ore no koto wa daitai shitteru daro? それはほら入隊するまではしばらく会ってなかったでしょお互いの近況報告とかしようよ近況報告か言われてみれば二人でゆっくり今までのこと話す機会ってなかったかもなでしょじゃあ決まりねせっかくだし街に出て散歩がてらゆっくり話そうわかったそれじゃあ行こう Mon Dieu La drague Non mais c'est ça, ça va être comme dans Judgment, hein. Toutes les relations possibles, je vais les faire.
ってのんびり散歩するの、なんだか久しぶりって感じ。確かに配属されたらすぐに任務で、それからも忙しくしてたからな。やっぱりたまにはこうして息抜きしないとね。それで花火はスカウトされてから入隊するまで毎日どんな感じで過ごしてたんだ？訓練学校にいた頃は勉強したり超能力の訓練したり、たまに友達と遊んでって感じかな。俺たちと一緒だ。それじゃスカウト組も志願兵もやってたことはそんなに変わらないみたいだな。まあ目指すところは同じだもんね。学校以外はどうだった？実家のおじさんとおばさん元気にしてる？うん、二人とも相変わらず元気も元気。この前なんて結婚記念日のデートをメッセージで実況してきて。おしこ自由な人たちだよな、二人とも。変わりなさそうでよかったよ。思わずしばらく着信拒否しちゃったなんだか懐かしいね、こういう話するの。ほんの2年ぐらい会ってないだけで結構昔に思えるな。うん、そうだね、すっごく長く感じた。花火どうかしたのか？ああ、なんでもない。それよりちょっと聞いてもいいかな？ああ、いいよ。なんだ？ユイトってさ、その重ねのことどんな風に思ってるの？え？なんで急に重ねの話になるんだ？あ、それはだってほら近況報告でしょ。最近のユイトの気になることでも聞こうかなって。重ねのことよく気にしてるみたいだから。俺そんなに気にしてるように見えてたかな？まあ確かに気になる相手なのは確かだな。それってどういう意味で？なんて言ったらいいのかな。重ねの顔が頭から離れないんだよ。あ、頭から離れないの？ああ、重ねの顔、子供の頃に俺を助けてくれたあの人にそっくりなんだ。ずっと記憶に残ってる顔だったからさ、いきなり同じ顔の相手に会ったら何か関係あるのかなって気になるよ。え？じゃあ頭から離れないって単純に命の恩人に似てるからってこと？ああ、そうだよ。俺が海抜軍に志願したのもあの人みたいになりたかったからだし、俺が海抜軍で目指す理想のイメージだから、ずっと忘れられないし忘れたくないんだ。私が聞こうと思ったのはそういう話じゃなかったんだけど、まあいや。ならどんなことを聞こうとしてたんだ？言ってくれればもう一回考えるけど。いいの、別に大したことじゃないから。でもユイトってすごいよね。子供の頃から目指す理想があって、そのためにずっと頑張り続けてて。いや全然すごくないって。俺からすればスカウトされて入った花火の方がよっぽどすごいよ。そんなことないよ、スカウトされちゃったから入隊せざるを得なかっただけだし。海抜軍に入るの嫌だったのか？嫌ではないけど、私は海抜軍で何をしたいとかどうなりたいとかって考えたことなかったから。そういうところなんだか花火らしいな。考えるより動く方が得意って感じで。ちょっとユイト、それ遠回しに私がバカだって言ってない？え？いやいや、そういう意味じゃなくて、勢い重視っていうか、いや、それも微妙か。わかってるよ、冗談冗談。そろそろアジトに戻ろっか。なあ、
誘ってくれてありがとう、花火。昔のこととか久々に話せてよかったよ。そうだね、私も楽しかった。あの、よかったらまた二人で話さない？ああ、いいな、そうしよう。じゃあ約束、忘れないでね。わかってるって、花火こそ忘れるなよ。忘れないよ、私は。んじゃ、アジトに戻ろう。花火、昔と変わらないな。明るくて元気で、俺もなんだか元気をもらった気がする。Mais quel putain d'enfer! Ça va, c'était pas long? Yuito, t'es 昔と全然変わらないね。そうかな？そうだよ。だって未だにバッキーちゃんにハマってるし。De retour au manoir Playboy. でも、そういう変わらないところ、ちょっと嬉しい。これからも昔のままのユイトでいてね。Ouais, mais voilà, niveau d'affinité 2 atteint avec un habit et du coup des power-up et c'est trop bien. Courant de flamme et vision gardienne. Quand le sac est activé, maintenez triangle dans les airs pour créer un courant de flamme qui inflige des dégâts de zone. Ouais, non, mais voilà. Je vais dégobiller. En cas d'attaque, une vision d'un habit peut apparaître et encaisser les dégâts à votre place. Pardon ? Étape de relation. Lors d'un interlude, des événements avec vos alliés appelés étapes de relation peuvent se déclencher en fonction de votre progression dans l'histoire principale. Il existe deux manières de lancer une étape de relation. Parler à votre allié dans la planque et sélectionner étape de relation, répondre à un message cérébral de votre allié. Ok, donc on n'aura pas forcément ces interludes à la con. Ce sera des fois juste un texto. Ah, les cadeaux, c'est après l'interlude 2. Enfin, ouais, ok. Ainsi, votre niveau d'affinité avec eux augmentera lorsque vous leur parlerez dans la planque après ces activités. Lorsque vos niveaux d'affinité augmenteront, le sac octroiera des effets supplémentaires et vos alliés vous aideront plus souvent en combat, par exemple en vous soignant ou en vous réanimant. Non, c'est trop important. Faut le faire. Ouais, je vois bien. On remettra ça. Je suis content d'avoir pu te parler, Yuito. Je suis si soulagé. Elle est un peu vénère, ouais, elle est un peu déter. On devrait se refaire une pause comme ça tous les deux. D'accord, c'est promis. Je sais que tu as tendance à en faire beaucoup, alors n'oublie pas de respirer un peu, Anabi. Toujours aussi gentil, Yuito. Merci. Si tu veux parler de quelque chose, n'hésite pas à venir me voir. Ça me fait plaisir qu'on soit dans la même équipe. Ouais, parce que tu sais, elle me rentre dedans en mode « Ouais, qu'est-ce que tu penses d'elle ?» Nanana, mais bon, finalement, voilà. Hein ? Ils sont où les autres ? Ah. Elle chill dans la cuisine. Mais il est où l'autre ? Le gars, il est où ? Il chill, ok. Eh, tu sais quoi ? On va faire lui d'abord. Sourire au corbeau pour maintenir les relations publiques. Je sais que c'est son travail, mais à la place d'Arashi, j'en serais incapable. Et alors ? Ah, lui, je peux pas augmenter son affinité. Elle, je pouvais, je pense, parce que c'était ma pote, quoi. Merci d'avoir remis Gemma sur pied, Yuito. Il devrait vite récupérer. C'est tout ! Ouais, donc là par défaut ma team elle est Ah, ils sont tous niveau 6. OK. Attends, mais je non. Elle a pas beaucoup de vie, elle. Elle a pas beaucoup de PV, celle-là. Donc du coup, c'est juste en faisant des événements avec eux ou en leur offrant des cadeaux. C'est pas en...
Ah oui, d'accord. Donc niveau 6, en fait, il y a quasiment moyen de... d'infiniser les perks spéciales. Ok. Bah écoutez, on va les laisser comme ça. Ah mais remarque, elle a moins d'XP que les autres. Hein. Bon vas-y, on va laisser comme ça. Elle est en affinité 2, donc c'est un peu pété. Ah mais après, elle peut encaisser de temps en temps à ma place. Donc ce serait bien de... Non mais elle... Attends. Ouais, parce que elle a pas beaucoup de PV mine de rien, donc au pire on va la laisser comme ça. Elle, je lui ai mis un bonus de PV. J'ai pas d'arme en plus à lui filer, hein. Les gantelets. Par contre, toi... Ah, mais ça se trouve, les armes que j'ai en bonus, c'est ça que je vais leur donner en cadeau. Parce qu'attends, je les ai, les... Alors ça, c'est son arme. En fait, j'espère juste que j'ai pas accepté des items pour l'autre perso. J'ai pas d'arme à leur filer, en fait. Alors je me demande vraiment c'est quoi ce système de cadeau. Bon, on va sauvegarder. Et putain, on a 53 minutes de VOD. J'ai envie de continuer un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu ce petit interlude qui était un peu long. Mais bon, En même temps, si on s'arrête là, c'est bien, parce que là, si on continue pour la prochaine... En fait, là, si on continue, ça va durer méga longtemps. Bon, on va s'arrêter là. Parce que ça va durer méga longtemps et au secours. Bon, bref, petit épisode, mais bon, voilà. On a eu accès au manoir Playboy. On a fait un petit interlude avec Hanabi. Bon, c'est du lore, hein. C'est mignon. Mais en vrai, ce let's play est cool dans le sens où c'est un let's play qui est très reposant. Et du coup, il y a carrément moyen de le regarder le soir. Et voilà, c'est le petit manga axé sur l'action. Mais avec beaucoup de petits blabla friendly. Je trouve ça sympa. C'est assez reposant. Donc un bon let's play du soir avec un peu d'action. Si vous n'arrivez pas à dormir... et que vous êtes un peu énervé de la vie. Voilà. Bref, des bisous YouTube. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce let's play. J'ai hâte de rejouer à ce jeu. Donc vivement la prochaine session.